Wow! Here we go! Let's watch some crazy stuff, yo! Jeez, Rick, oh my god! Hey, wait a minute, Rick, I thought this was a commercial, what's going on? I mean, don't worry about it, let's just see where this goes. Oh my god, it's still the commercial! Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. Ah putain, j'ai le micro qui est arraché. Bonsoir, bonsoir. Oh là, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir, ici Poil. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée en ce mardi 30 mai 2023. Et c'est non seulement l'anniversaire de Cécile, l'anniversaire de Nini, mais aussi les 2 ans d'affiliation. Let's go. Allez, on fait péter le joyeux anniversaire d'affiliation avec l'émoticône pour l'anniversaire de Cécile Denis, de Remix aussi au passage puisqu'on y est, et l'anniversaire des 2 ans d'affiliation. Là, incroyable. Incroyable, j'ai fait ma pute sur Instagram. Est-ce que vous me suivez sur Instagram? Est-ce que vous me suivez? Regardez. Ouais, viens fêter nous les 2 ans d'affiliation. Incroyable. Si vous ne followez pas, il faut le faire. Hein. C'est Poil SVD. Regarde ça, Cécile, l'affiliation. Non. Quoi? Comment ça? Non. Quoi?
Alors c'est RS. J'ai pas mis la commande Instagram, j'ai mis RS. Paf ! Incroyable ! C'est mieux. C'est mieux, ouais, j'avais pas mis. Il faut que je change un petit peu tout ça. Il faut que je mette la commande Instagram. Mais voilà, l'Instagram il est ici. Le TikTok il est ici. Le Twitter il est ici. Mon RIB il est ici aussi. Ah ! Voilà, allez. Je vous propose sans plus tarder, parce que je suis encore à la bourre comme d'habitude. Hein. Praise the Saint-Sisson. Le Saint-Sisson, bien sûr. Le Saint-Sisson, let's go. Allez, on envoie le jeu, on envoie la game. Voilà, on n'a pas le temps de niaiser. La grosse moulaga. Oh là là, 2 ans d'affiliation. Je comprenais pas pourquoi j'avais un message. Et oh, venez fêter vos 2 ans d'affiliation. Je dis, oh putain, déjà 2 ans. Kalindar te fait coucou, mais il veut pas se faire spoil. Ah, et coucou Kalinou. C'est joyeux anniversaire d'affiliation et l'émoticône. Non, c'est souhaiter un joyeux anniversaire d'affiliation avec des subs. Voilà, t'as fait des léchouilles sur le crâne. Ah, moi aussi, je lui fais tout plein de léchouilles sur les cheveux. Voilà, souhaiter un joyeux anniversaire d'affiliation avec des subs, dont Wishlist Amazon et du saucisson, bien sûr. Voilà, c'est ça, c'est la vraie phrase. Voilà, c'est la vraie phrase. Voilà, la vraie phrase de l'anniversaire d'affiliation, bien sûr. Alors, on avait fini le premier sanctuaire, saucisson. Ah, le Saint-Sisson. Le Saint-Sisson, d'ailleurs, Dante a été proclamé pape du Saint-Sisson, de l'église du Saint-Sisson. Le Saint-Sisson, la nouvelle religion. Le Saint-Saucisson, c'est le Saint-Sisson. Manière de faire la situation, mais surtout, bon anniversaire, Cécile ! Oh là là, incroyable ! Oh là 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 là, quel... Oh là là, Elia, mes joyeux anniversaires, Cécile ! Le Saint-Sisson en location. Le pape a parlé. Le pape a parlé. Sa sainteté a parlé. Et il y a un pont à réparer. Sa sainteté a parlé. Le Saint-Sisson doit être en location. Si sa sainteté l'a décidé. Salut tout le monde, est-ce que tu vas nous bénir ? Étrange phénomène au château. Blablabla. 16 heures dormant des sources. La chansonnette, gnagnagna, on s'en fout. Trop que chez les piafs, on ne peut pas en réparer. Non, moi je veux la mission, voilà. Voilà, Maître Saint-Sisson. Et bonsoir aux X, comment ça va ? Pour rendre après location, faut... Erk. Et bonsoir aux X, est-ce que tu viens pour souhaiter un bon anniversaire de 2 ans d'affiliation ? Et surtout, c'est pas tellement ça l'important. L'important, c'est louer soit le Saint-Sisson, mais surtout, un bon anniversaire à Cécile Iniremix ! Évidemment, Paul se fait le trésorier. Exactement, je suis le trésorier du Saint-Sisson. De l'église du Saint-Sisson. Je suis là pour collecter les fonds. Afin que le Saint-Sisson puisse continuer à parler dans vos cœurs. Ça va et toi ? Bah écoute, ça va. Hein. Ça va. Hein. Bon anniversaire ! Oh là là, bon anniversaire ! Bon anniversaire d'affiliation, bien sûr. Incroyable, cet anniversaire d'affiliation. Je ne m'y attendais pas. Et te barrer à la caisse, quoi ? Il parle plus dans l'estomac. Sous-estimes-tu le pouvoir du Saint-Sisson ? Attention, Liam. Mon casque en PLS. Par rapport à quoi ? Par rapport à ça ? C'est la journée du Saint-Sisson, c'est normal. Merde, comment on fait déjà pour siffler ? Le Saint-Sisson s'est fait sacrifier, c'est vrai. Bon, ça donne quoi les coups de soleil, là ? Ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux, c'est...
C'est un peu plus joli. Bon, voilà. Je veux appeler... Je vais appeler Icuzbe. Il est où ? Icuzbe ! Il est mort ? On va tuer Icuzbe ? On doit brancher, débrancher le PC, le téléphone et le viseur. Ah merde ! Aïe aïe. Bon, je crois que Icuzbe est mort. Hein. Je crois qu'Icuzbe est mort. Voilà, on a beau le siffler. Icuzbe ne vient pas. Bon, on va cueillir de l'herbe, hein, bien sûr, mais... Oh là là, Icuzbe ne vient pas. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Icuzbe est mort de décès. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va... Wow! Putain, c'est les cailloux. Mais la vraie question... Ouais, c'est... As-tu été honoré de Balzac, la crème solaire sur le dos de sa sainteté le pape? Ah oui, c'est pour ça que j'ai été désigné cardinal. On a voté. On a voté entre les cardinaux. Hein, tous les cardinaux. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Les points cardinaux. On a mis des points et du coup on a voté. Sticule. Et du coup c'est Dante qui a été élu et sa sainteté. La sainteté du Saint-Cisson. Voilà, c'est le fier pape de l'église du Saint-Cisson. Voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas comme Liam qui nous a fait un magnifique verset. N'hésitez pas à remplir la Bible. Hein, la Bible, on est en train de constituer justement la Bible du Saint-Cisson. Donc n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. En sachant, voilà, pour le lore du Saint-Cisson, Judas, c'est la pizza. C'est la pizza hein, qui a honteusement... On va dire laisser pour compte le Saint-Cisson dans la glacière. Aïe, putain. La pizza qui a laissé justement, qui a fait exprès de laisser le Saint-Cisson dans la glacière. Et Satan, c'est les crêpes waouh. Voilà, ça, les crêpes waouh, c'est le mal, c'est Satan. Donc voilà. Donc aussi, voilà, si vous voulez, pour reconstituer un petit peu la chose, ça parle de pizza. Oui, la pizza c'est Judas. C'est le Judas. Dans la religion du Saint-Cisson, la pizza c'est le Judas. Ça c'est la pizza qui est suspicieuse, tu vois. Elle regarde le Saint-Cisson en mode suspicieuse, tu vois. Parce que elle sent qu'il y a quelque chose, tu vois. Elle sent. Mais justement, le Saint-Cisson fait des miracles. Pourquoi les crêpes waouh? Ah, pourquoi la pizza ananas? Ah oui, la pizza ananas. Ah oui, c'est vrai, c'est la pizza ananas. C'est vrai. Qu'est-ce qui m'a fait 2 secondes pour comprendre. Alors, pourquoi les crêpes waouh? Je laisse la parole à sa sainteté qui va justement expliquer pourquoi les crêpes waouh. Même si c'est le mal, hein, les crêpes waouh, c'est dégueulasse. C'est pas bon. C'est pas bon, les crêpes waouh, c'est pas bon. De base, la crêpe waouh, c'est pas bon. C'est le mal. C'est le mal, Berk. C'est va des rétros. J'attends l'explication. Aïe, aïe, aïe. Ozix qui aime les crêpes waouh. Ozix qui penche du côté obscur de la force. Aïe, aïe, aïe. Ozix qui devient waouiste. Comme les satanistes, mais en crêpe waouh. C'est 4 chapitre 7 par Saint Liam et Justin Bridou et il fut mâché certes mais surtout savouré. Amen. Oh putain, il faut que tu lis, ouais, ça il faut que tu nous le mettes dans le Discord. Hein. Oh
Ouais, n'hésitez pas, après n'hésitez pas aussi à faire les mises en forme, c'est rigolo. Voilà des champotes. Champidirule. Qu'est-ce que c'est ? Oh ça, ça doit être un korogu. Ah non, c'est une flèche, d'accord. Pourquoi une flèche ? Bon, ça me fait chier là, y'a pas Ozix là, Ozix pardon. Non, je... y'a pas Icusb. Le prochain cheval je l'appelle Ozix. Pardon. Mais chier, on doit tout faire à pied. Oh le lapsus, pardon Ozix, le lapsus révélateur. Pour le prochain cheval je vais l'appeler Ozix. Oh, c'est... j'ai fait le lapsus, hein, voilà. Pont de Jad. Allez. prochain cheval, ça sera... on va l'appeler Ozix. Ça me va. Ah, alors ça va. Alors ça va. Alors si ça te va, alors ça va. Si ça te va, c'est que c'est bon alors. C'est validé. Merde, oh, je peux pas prendre la pierre. Ah si. Oh il y a eu l'anniversaire des 500 followers chez Winter et il y avait le concours de blagues qui malheureusement n'a pas été remporté par votre humble serviteur. Je suis malheureusement arrivé deuxième sur le premier tour. J'ai été coiffé sur le chapeau par la blague du kiwi. Je suis triste. Et apparemment Cuphead a été refusé et du coup Winter a décidé de, par sa grande générosité, de me l'offrir. Donc du coup, voilà, on a Cuphead. On a Cuphead et comme je suis Cupid, je vais le mettre en sub-goal. Il parlait encore quand se venait une troupe, ce qu'on appelait Judas, de 12 apéritifs marchaient à sa tête. Il s'approcha de Sisson pour lui donner un baiser. Sisson lui dit pizza. C'est pas un baiser que tu livres l'apéro. Oh putain. Oh la vache. Oh c'est génial putain. Mais vous, oh, vous êtes terrible. Vous êtes terrible. Mais on est vraiment en train de faire un truc de fou là. C'est vraiment un truc de malade qu'on est en train de faire. C'est un délire de merde. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc à la con. C'est en train de prendre des proportions de malade. On est vraiment en train de faire une église hein. On est vraiment en train de faire une religion hein. On est vraiment en train de faire une religion. Oh la vache c'est génial. Oh c'est génial. Oh c'est génial. Là franchement mais c'est génial là ce que vous faites là. On l'imprime noir sur blanc, mais carrément. Alors on va faire ça, on va prendre ça là. Mais c'est génial là ce qui se passe là. Oh là là, la religion pour la garder à vie. Ah mais complet hein. On est en train de faire la religion du Saint-Sisson. Ouais il faut qu'on consolide tout ça hein, ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout. Et merci pour ton lurk. Merci pour le lurk. Merci pour ton lurk, votre... Merci pour votre lurk, votre sainteté. Parce qu'à la base, le Saint-Sisson, c'était... Ouais, c'était un délire de Dante, quoi. Il a dit, putain, il faut qu'on fasse un émoticône du saucisson avec une auréole, le Saint-Sisson. Du coup, c'est parti. Ouais, c'est parti. C'est parti en couille, en fait. Hier, c'est parti en couille. Alors, c'est deux chapitres 5 par 5 Liam, vous avez compris. Oh non, pauvre Alal, et qu'importe quel animal en son nom. Chaque bouchée doit être faite de convivialité. Oh là 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 là. Oh. Excellent, putain. Excellent. Excellent. Non, t'inquiète pas, Liam. Tu vois, il y aura pas. Les religions ne seront pas froissées. Puisque le saucisson peut être dégusté. En toute sérénité.
Regardez-moi ce que je fais. Regardez-moi ça. Attention, saucisson. Attention, lâche pour voir. Quoi, quelque chose d'accepté. Et ta sœur. Ça prend du saucisson là. Et salut Winter. Et encore merci pour le Cuphead. Mais inacceptable, vient de se produire. Et ta sœur. Il a pas bougé là, grosailler. J'ai fait un joli truc et il a tout cassé, brutiman. Alors est-ce qu'on a un sanctuaire là, enfin un sanctuaire, est-ce qu'on a quelque chose là, une tour là pour vérifier GG les 2 ans d'affiliation. Et merci beaucoup. Et merci beaucoup quoi. Et encore merci pour le Cuphead. Oh là, putain ça a salé. Comment ça faut ça gagner le Cuphead? Ah, un qui est jaloux. Ah, j'ai pas gagné. Putain, mais de merde. J'ai failli m'écraser, avec un caillou. Quoi. J'ai failli me faire écraser avec un caillou. Quoi. Et ouais, j'ai fait de la peine à Winter. Hein, du coup, elle m'a offert le Cuphead. Aïe. Vrai. L'apôtre Nini, mon aîné, dans cette luminosité m'a éclairé sur le fait que le saucisson aime tout le monde. Sur quoi j'ai répondu à cette digne sœur d'Apéricœur que c'est surtout tout le monde qui aime le saucisson. Oh là 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 là, vous êtes des monstres. Oh, vous êtes des monstres. C'est génial. C'est génial. Winter, dommage. Alors, pas point d'exclamation, mais tape juste Winter. Tape juste Winter. Seulement Winter. Là il y a un truc là, c'est la statue du cheval. Là. Ah. Bah Wisebot est en PLS. Bon, il veut pas marcher. Attends, on va essayer. Non. Bon bah Wisebot est en PLS. Hein. Attendez, on va recharger Wisebot. Hein. Attends, ça charge. Pourquoi c'est le Wisebot là, 2.0? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi il marche pas le Wisebot 2.0 là? Alors. Wisebot. Ça charge, ça passe pour 56k, ouais, ça tombe. Du sel! Bon sang! Où est mon sel? Ça passe par le 56k! Attends, je vais modifier ça. Je modifie ça, Winter. Tac. Parce que ça marchait, jusqu'à présent ça marchait. Mais personne l'utilisait. Parce que du coup c'était une commande qui était pour tout le monde. Qui était accessible à tout le monde. Allez, je décolle pour de bon, amusez-vous bien, ça marche. Merci le Dante. Des bisous. Quoi. Ah, c'est pour ça. D'accord. Tape WYN ou W ou Winter avec un S. T'embête pas, je joue tranquille. Non, mais bon, ça y est, j'ai trouvé le pourquoi du comment. Ouais, non, mais ça casse le truc, c'est bon. Abby, c'est pas founé. Oh. Neuf l'ami, pas trop fatigué ces derniers temps. Si t'as besoin d'un petit coup de boost, prépare donc quelque chose avec une carotte vigueur, ça donnera la pêche. Voix 1. Le TGV numéro 3635 ouais, Winter, à destination de Paris-Montparnasse va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Voilà, je suis content de ma connerie. Voilà, c'était le petit truc, mais mais du coup, voilà. Je pensais que Tenten allait te faire le coup, mais et voilà. Tenten.
Ah bah voilà, voie ça l'en fait. Hein. Le TGV numéro 3635 à destination de Paris-Montparnasse va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Oh, le retard de la commande en plus, quoi. C'est même la commande, elle s'y met, quoi. C'est génial. Génial. Oh, franchement, c'est génial. Bon, bon, on a Icusbe qui est mort. Hein. Il est mort de décès. Il est officiellement mort, là. Je veux que ça cesse. Il y a quelqu'un qui pleure. Ah, mais c'est lui, on s'en fout. Bah, Icusbe est mort de décès. Putain, on est obligé de faire ça à pied, quoi. Ça s'arrête plus. Ah, c'est mort, hein. C'est mort, Winter. Ah, c'est mort, hein. C'est mort, mais en plus de ça, même Wisebot il s'y met, quoi. Même Wisebot s'y est mis. Et ouais, j'avais mis Win et Winter avec un S, justement, pour éviter qu'on spamme le... Le Winter, ou que Wisebot considère Winter, ton pseudo, qu'il considère comme la commande. Mais je vais le remplacer, je vais le changer, je vais mettre le point d'exclamation. Je vais changer ça, je vais modifier ça. Elle est où la pizza? À la pizza? Alors là, je pense qu'elle se cache, la pizza. Ah oui, non, bah en émote, ah bah oui, mais j'ai plus de place. J'ai plus de place dans mes émotes. La pizza suspicious. Ouais, mais j'ai plus de place dans mes émotes en fait. Il va falloir des subs. Il va falloir subber. Il va falloir subber hein, pour faire de la place. Hein. C'est comme ça. Hein. Ah là là. Incroyable, je passe en lurk. Des bisous, ça marche. Des bisous, Winter. Merci d'être passé. Merci pour le lurk. Attention, on peut être en retard toi aussi, hein. Moi que je te troll, mais putain, mais je suis tout le temps à la bourre, hein, gars. C'est pas mieux. C'est pas mieux, hein. Retard foil, ça. Oh, let's go, des fruits... Ah non, c'est des fruits de clarté, on s'en fout. Il faudrait que j'aille là-bas. Allez, on y va. Encore du sub. Ah oui, moi aussi je lurk. Tu veux cuisiner, ça marche. Tu vas cuisiner quoi? Et bon lurk, Nini, merci. Qu'est-ce que tu as cuisiné? Ça va faire quoi manger? Ça va manger quoi de bon? Attention, si ça mange de la pizza. Avec la pizza, attention, hein, c'est... Elle peut être traître. Hein. Les trésoriers, mon dos, c'est pour ça. Ah bah oui. La trésorier de la Sainte Église. Du Saint-Cisson. Poulet rôti et patata. Oh, let's go. Ah. C'est marrant ça, une pizza au poulet rôti. Et patates. Mangeant rarement de la pizza à la maison. Ah. On va manger du Saint-Cisson quand même. Manger du Saint-Cisson. Si je le fais à la maison. Il y a la gold, c'est tout. Quoi. Ah, moi je veux la gold du partenaire. Moi. Non, mais en plus, c'est madame qui a la gold, c'est même pas moi qui ai la gold. Celle qui est goldée, c'est pas moi. Oh, j'avais les boules quand elle a sorti la gold et j'avais les boules. J'ai putain, comment ça que t'as eu la gold? T'as eu une promo à sa banque là. Ouais, elle a eu la gold. D'accord, super. Ça va, putain. Pas pour les gueux. Banque a dit c'est pas pour les gueux. La banque postale, il s'est éclaté. Oh, je sais pas s'il veut, mais faut qu'il mette les sous. Ah, t'as une gold? Putain, ils sont de canard. Oh. Et une gold, Ozix? Toutoum! Sanctuaire de Toutoum, allez, let's go, comme ça au moins on a un point de TP.
Voilà, un petit point de TP. Comme ça, off, je pourrais faire les temples. Et salut le doc. Et merci pour l'anniversaire, merci pour le lurk. Comment ça va? Ah, tu dois être en live sur Zelda. Parce que je t'ai vu passer, là. On t'a vu passer. On t'a vu passer, tu dois être en live sur Zelda. Qu'est-ce que c'est que ça, là-bas? Oh, c'est un... On va pouvoir prendre un cheval. Oh, putain, on va pouvoir prendre un cheval. Allez. Ou alors, autant je l'ai mis, autant... Icus, mais t'as l'écurie. Autant on a Icus, bah l'écurie, hein. Ça c'est possible. Joyeux anniversaire Foilcé, merci Nini, bon anniversaire Nini, bon anniversaire Ceci, bon anniversaire Remix et bon anniversaire pour les 2 ans de sub bien sûr. Oh là là. 2 ans de sub, 2 ans d'affiliation, pardon. Oh les Gerudo. On a enfin réussi à quitter la cité Gerudo pour chercher un voy. Je vais mettre en pratique ce qu'on a appris. Et bien pour l'instant ça ne se passe pas du tout comme dans les cours. Oh, ça me fait penser avant de quitter la cité, j'ai entendu une rumeur à propos d'un héros. Bah. Oh, oh, je suis sûr que c'est un beau voy, plus grand, plus fort que nous. Si je le vois, je le plaque au sol, je l'embarque, on n'en parle plus. Oh. Tu oublies pas une étape là, genre presque tout ce qu'on a appris en cours de séduction. D'abord, il faut d'abord le trouver avant de pouvoir l'embarquer. Comment on va s'y prendre pour le reconnaître? Oh. Oh, mais bien sûr, l'épée légendaire. J'avais oublié, le héros porte une épée légendaire. Mmh. Mais vous savez à quoi elle ressemble, vous, cette épée légendaire? Vu son nom, elle doit briller ou un truc du genre, vous ne pensez pas? Oh, et si ça se trouve, c'est une épée gigantesque, aussi grande que le héros. Ah, quelle plaie, vous êtes sûr qu'on veut pas juste l'attaquer par surprise? Si j'arrive discrètement par derrière et que j'attrape ses jambes, même un héros. Lico, encore une fois, c'est pas comme ça que ça marche. Oh là là, ah, ça veut me pécho. Oh putain, c'est encore la lune de sang là. Oh, tu m'as fait peur, c'est le relais doré de la plaine ici. Oh, mais je t'ai même pas souhaité la bienvenue. J'ai un peu la tête ailleurs, j'en perds mes moyens. Aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? Troupe de musiciens très en vogue, les brides abattues. Mais dû arriver quelque chose. Ça fait un moment qu'on les a pas vus. Ils avaient l'intention de se produire au relais de la forêt en Ordine, au nord-est, et on les a plus revus. Ah là 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 là. Ouais, on va se mettre à l'aise, tranquille. Ouais, c'est bon là, comme ça on skip la cinématique là. La nuit tombe, allez. Comme c'est ta première fois. Ah, j'ai un point de relais supplémentaire. Let's go! Une récompense. Ah. Tu veux les échanger contre une récompense? Appelle-moi depuis le guichet de registre. Souhaites-tu séjourner chez nous? Oui. Un lit normal. Ah. Ouais, j'ai pas assez d'argent. Ah. Jusqu'au matin, comme ça, on n'a pas la cinématique de merde, là. Voilà. Pam, pam, pam. Voilà. Oh putain, on a quand même la cinématique. Couleur du sang. Lorsque de ta lumière tu éclaires la terre, les âmes des monstres retrouvent leur enveloppe charmante. Oh, c'est chiant. Pour repartir à la conquête de ces terres. Et bon app, Nini. Bon app à moi. Ça fait très peu cher, malheureuse. Bon app à moi. On t'a souhaité un bon appétit, Nini. Tu as bien dormi? Ah oui. Allez, encore une récompense, incroyable. Ah. Les ruines Sonao, gna gna gna. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas banal. Gna 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 gna. Alors, je vais récupérer un cheval. Est-ce qu'on a Icusb? Ah. Ibrovor, ah. Emmenez un cheval. Ah. Il est où, Icusb? Ah, mais... Ah. Allez, Icusb, dépêche-toi. Merci d'avoir patienté. Ah. Gna gna gna, heureusement qu'il y a un truc pour s'en sortir. Il suffit de viser quelque chose pour rester un cheval et de forcer les derniers à avancer pas à pas. D'accord, oui. Ah, il y a Icusb. J'ai entendu Icusb. Ah, il est là, Icusb. Allez, Icusb. Oh, j'ai oh, oh putain, le voilà la pluie, j'ai lu voilà la pute. J'ai dit, ah bah tiens, j'ai récupéré Icusb. Et là, voilà la pute. Quoi? Quoi? Comment ça, pardon? J'allais dire, mais elle est sérieuse? Non, j'ai mal lu.
Oh, j'ai mal lu, mais j'allais dire, non mais sérieux, comme elle trash talk. Il faut qu'on aille là-bas. J'ai envie d'aller au désert Gerudo. Je vais crever de chaud. Voilà, il y a un monstre là. Non, c'est pas ça que je veux, c'est l'arc. Allez, let's go. Allez, Icusb. Voilà, calme-toi, Icusb. Ah, là, on a un point de... On a un point d'observation. Allez, on va aller voir le point d'observation, comme ça on va pouvoir dévoiler la map. Là, c'est un petit peu les phases redondantes. Mais moi, j'aime bien faire ça. J'aime pas rusher, en fait. J'aime bien me balader. J'aime bien visiter un petit peu. Non, pas ça. C'est ça que je veux, voilà. Non. Merde. Là, il y a le petit lapin, là. Oh, le bâtard. Je suis vraiment mauvais, hein. Je suis très mauvais. Mais j'aime bien, là, comme vous pouvez le voir aussi sur les Assassin's Creed, j'aime bien visiter, j'aime bien un peu explorer. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, dans Breath of the Wild et bah, aussi Tears of Kingdom, accessoirement. C'est le côté exploration, en fait, le côté, voilà. Je prends le temps d'explorer, je prends le temps de tout voir, de voir un petit peu ce qui se passe. Ouais, ce côté exploration. J'adore ça. Oula, Icusb. Alors, est-ce qu'on peut gruger? Alors, je vois qu'on a un temple là-bas. Un sanctuaire, pardon. Et comme il y a la pluie, je vais glisser. Si je tente une escalade, une place des commerces. Si je tente escalade, ça va mal se passer. Youp. Mayatinou. Voilà, comme ça on a le sanctuaire. Voilà, mais tous ces sanctuaires là, tout ça, je vais vraiment vous épargner ce genre de truc. Je vais les faire en off. Bon, en vrai, il faut faire la bagarre. Hein. En vrai, il y a pas tortille du cul pour chier droit. Hein. En vrai, la bagarre. Mais non, pas ça, putain! Allez, viens là, toi. Oh merde! Voilà. Allez, la bagarre. On va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre qui va pas se péter? Oh! Putain, l'os de Bokoblin! Mais ça fait super mal! Après, on peut amalgamer des trucs, mais bon, ça a un peu la flemme, quoi. Oh, c'est un gros. Ah, l'abruti! Mais quel abruti! Chef! Abruti, va! Oh, les bâtards! Ah, putain, esquive! Vite, 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 faut que je bouffe.
Vite, vite, vite. Non, je veux pas des trucs anti-chaleur. On va manger ça. Mais non, c'est... Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh la vache, oh le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel. Voilà, ça y est, c'est bon. Ouf, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on gère. Let's go! C'était un petit peu tendax. Tout ça pour un putain de point d'observation pourri là. Que j'ai ça. Let's go que j'ai ça. Alors, bon bah tant pis, hein, on va manger. Tant pis, voilà, hein, bah, bon, on va devoir faire ça. Hein. Donc, ça c'est les poules, on s'en fout. Une pomme grillée, oh j'aime les pommes. Oh là, il y a un truc, il y aurait un truc à faire là, rétrospective. Qu'elle avait un truc à faire, mais ou alors on peut l'empriser. Let's go. Et attention, hop là. Rétrospective. Allez. Oh merde. Oh la vache. Allez hop, la rétrospective. Allez hop, la petite rétrospective là. Moins que je puisse amalgamer. Peut-être que je peux faire un amalgame avec ça. Oh, let's go. Merde. Merde, 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 merde. Avec le bâton. Comme c'est violent. Voilà, vas-y. Envoie tes cailloux là. Oh la vache. Allez, hop, on va le faire, on va passer. Ah,
Voilà, let's go. Bah, voilà. Oh, le grand maillet hérissé. Let's go. Parfait. Putain, oh, les chefs bocaux, ah, ils sont chauds. Hein. Ah, ils sont chauds de la gueule. Hein. Ça, on prend là, les cornes, tout ça là. Ah, des flèches. Hein. Croc de bocoblin, corne. Corne, voilà. Le roast beef, ça, je veux bien le prendre. Là. J'aurais tellement pu faire une arme. Une arme en roast beef. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que nous avons de beau? Faire de la plaine d'Hyrule, voilà, let's go. Donc au moins, voilà, c'est réglé. Au moins, on a le point de... On a l'aperçu. Ça, c'est cool. Une arme en saucisson. Putain, j'avoue, on aurait tellement pu faire une arme en saucisson. Putain, c'est clair. Allez, let's go. Carte de la surface mise à jour. Carte du ciel mise à jour. Incroyable! On s'envoie bisous, je m'envole! Alors, où est-ce que j'aimerais aller? J'aimerais aller là-bas. On va mettre une balise. Ah, je peux pas placer de balise ici. Ah, putain, vous abusez. Donc, c'est là-bas. On est d'accord, c'est là-bas. Désert Gerudo, c'est là-bas. Voilà. Bon, ça, je le sens mal, ce truc. Ça sent mauvais, ça. Voilà, là on a un sanctuaire là-bas. La ruine de l'amphithéâtre. Non. En vrai, j'y vais pas. Oui, mais oh, c'est un truc de fée. Oh, j'ai reconnu, c'est un truc de fée. Let's go, il y a une fée. Oh, génial. Voilà, encore un petit sanctuaire, là. Comment ça, le sanctuaire tout fumé? Je l'avais déjà? Oh, mais je l'avais déjà, le sanctuaire, sérieux? Mais la fée, je l'avais pas fait. Oh merde, la caméra elle est pas bonne, voilà. Voilà, la caméra est pas bonne et on ne me dit rien.
Ah là 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 là. Tristesse, hein. Tristesse infinie. Peut-être que ces remixes qui se cachent dans cette plante, une belle plante, serait-ce remix? Ah. Non mais vous gênez pas, ne vous gênez plus surtout, fichez le camp d'ici, espèce de malotru. Je n'enforce jamais les vêtements des monstres dans votre jar. Et puisque le monde n'est plus que créature immonde et miasme, je préfère m'en retirer. Et n'allez pas prétendre le contraire, c'est ma sœur Terra qui me l'a dit. Je mettrai pas un petit nez dehors avant d'entendre le charmant concert de la flûte traversière, ce divin instrument. Quand je pense que je m'étais installé tout près d'un relais exprès pour pouvoir en faire profiter les voyageurs. Mais non, je peux pas sortir, à moins que la flûte traversière de la troupe des musiciens me redonne le courage. Bon, bah la fée Remix n'est pas décidée à sortir. Ah là 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 là, là merde. Comment ça se passe là? Il faut qu'on fasse ça, ça. Il faut qu'on prenne le passage là-bas. Non, mais s'il y a une belle plante ici, c'est Ozix. Aussi, oui. Mais derrière cette belle plante se cache Remix. D'ailleurs, la fée avait la même voix que Remix. Ah, c'est Remix. Salut, c'est Remix. Et paf. Et Korogu. Il n'y a même pas de Korogu. Décevant. Ce jeu, c'est une déception sur 20. Oh là là, mais il y a encore des chefs là, des chefs Bokoblin là. En vrai, on peut traverser là? Non. Je veux bien tenter la grimpe, mais j'ai peur que ça passe pas. J'ai peur que ça ne passe pas. Le champi piment. Salut la famille. Salut les enfants. On peut tenter. Bonjour chouchou Remix. D'ailleurs, comment il va le chouchou? Comment il va le chouchou Remix? In the mix, Remix. Je vais essayer de choper là, le petit coin là. Ça va être chaud, ça va être chaud. En vrai, ça va être chaud, mais on tente. On tente, on tente. Arrêtez de prononcer mon pseudo comme ça, ça m'excite. Ah. Ah, coquin, va. Ah, c'était chaud, hein. C'était chaud. Allez, on va retenter. En vrai, ça peut passer. En vrai, ça peut passer. Sur une ligne droite, ça peut passer. Pandax du cucu, mais ça peut passer. Pandax du slibar, mais ça peut passer, ouais. Ça va passer, ça va passer. Oh putain! Non! Putain le bâtard! Non mais qu'est-ce que tu fais? Quel abruti!
Ça passait. Putain, Brutiman, quoi. Oh là là, mais merde. Putain, en vrai, ça passe, quoi. Merde. Allez, Icuzbe. Putain, mais il est inutile, hein, ce cheval. Inutile. Le sanctuaire Sonao s'en bat les couilles. Mais non, vous me voyez pas là, les Sonao, là, c'est pas vrai. Ah là là, bon suspendu de dildo. Parce que je pense en fait on va avoir une grosse carotte et on va pas pouvoir passer et il va falloir prendre de la hauteur. Je le vois gros comme un camion. Sous scam là. Quoi ? On t'aime des relais ? Pardon ? Ah. Salut petit gars, je tiens l'intention de te rendre au canyon de Gerudo par le pont suspendu. Tu ferais mieux d'être prudent, j'ai eu mon propre relais là-bas avant. Mes températures se sont emballées à la suite du cataclysme, mais sont devenues trop extrêmes pour les chevaux. Résultat, plus personne ne vient à cheval et j'ai dû fermer boutique. J'ai ouvert une antenne de la société des relais à la place, mais c'est pas la même chose et quelle galère. J'espère pas trop t'avoir tendu la jambe. Dis-moi donc comment tu t'appelles pour que je puisse vérifier si tu es inscrit auprès de la société des relais. Link, tu dis, tu es bien membre de notre programme, donc tu reçois donc un point relais pour célébrer ta première visite. Encore une récompense, incroyable. Comment on prononce ton pseudo? Bah, Fouals. Fouals. Voilà, Fouals, F-O-U-A-L-S, en fait. On dit le S à la fin. Fouals. Oh, je vois que t'as récupéré pas de points, petit gars. Par contre, tu veux des récompenses, il va falloir aller au relais. Moi, je peux rien pour toi à ce niveau-là. Plus près d'ici, je dois te le relais à l'orée de la plaine, au nord-est d'ici. Oh. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah, vu que, voilà, hein. Complètement inondé, une vraie rivière. Ah là 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 là. Si c'est devenu une vraie rivière, on est dans la merde. Hein. On est dans le caca. Quoi, c'est la société des archéologues, là. Logo de bois. C'est fascinant. Ah, c'est bon, ça parle trop, là. Vous parlez trop ? Dialogue. Qu'est-ce que c'est que ces fruits? Oh, fruits d'eau. Grâce à ces propriétés lubrifiantes, j'ai bien lu ce que j'ai lu là. Ce fruit a des propriétés lubrifiantes. D'accord. Ouais. Oui. Ah, je crois qu'on va m'interdire. Pas de malheur surtout. Ah. Oh, c'est pas chic de ta part de me faire une fausse joie pareille, mecton. J'ai cru que c'était un de mes potes qui était de retour. On les a perdus de vue sur la route Canyon Gerudo, les trois d'un coup. Ça fait des heures qu'on poirote ici comme des pignoufs, mais il y en a pas un qui a ramené sa fraise. Je commence à me dire qu'il est peut-être arrivé des bricoles. Oh ! Ils en sont pas à leur premier voyage, je suis sûr qu'ils seront se débrouiller. Après tout, tant qu'on se met à l'ombre pour se protéger de la chaleur de la journée et qu'on se réchauffe devant un bon feu de camp une fois le froid nocturne installé, on s'en sort très bien. Allons, pas de panique, je suis sûr qu'ils ne tarderont plus à nous rejoindre. Ouais, faut espérer, ouais. Ouais, mais là, elle va nous dire non parce que nous sommes un voy.
Au-delà, le climat est particulièrement inhospitalier. Il fait extrêmement chaud en journée et la nuit, le froid est glacial. Rester là-bas trop longtemps peut être dangereux, alors il faudra prendre des précautions. Je vais te poser quelques questions histoire de vérifier que tu sais comment te protéger de ce qui t'attend. Si tu n'es pas à côté, je te laisserai pas passer. Bien, tu es prêt ? Je suis prêt. Très bien, alors commençons. Voici la première question. Attention, c'est une question très très importante. Attention. Est-ce que vous êtes prêts ? Voici la première question. Qu'est-ce qui aide à lutter contre le froid ? Petit A, s'éventer. Petit B, s'asperger d'eau. Petit C, rester près d'un feu. Ou petit D, je laisse tomber. Bah écoutez Jean-Pierre, je vais dire la réponse c'est rester près d'un feu. Et la réponse pour se réchauffer était bien sûr de rester près d'un feu. Mais ne t'emballe pas, la première question n'est qu'un tour de chauffe. Ah. Et maintenant la deuxième question, elle est un peu plus difficile, alors concentre-toi. Quand il fait chaud, où peux-tu te rafraîchir ? Petit A au soleil, petit B à l'ombre, petit C dans un courant d'air ou petit D je laisse tomber. Moi je dirais la réponse B, Jean Pirotte, à l'ombre. Alors, est-ce que se rafraîchir à l'ombre est une bonne réponse ? Tout juste, je n'ai pas l'impression que tu répondes au hasard, c'est bien. Au passage, tu peux aussi lutter contre la chaleur ardente du soleil en t'aspergeant d'eau. Garde bien ça à l'esprit. On arrive à la troisième question, elle est un peu difficile. Réfléchis bien. Attention, réfléchissez bien. Quel ingrédient est efficace pour lutter contre la chaleur ? Le champi enduro, le champi piment, le champi glagla ou je laisse tomber la réponse D. A, B, C ou D. Pour lutter contre la chaleur, je dirais le champi glagla. La réponse C, madame la Gerudo. Le champi glagla. Pour lutter efficacement contre la chaleur, la réponse c'est, et c'est votre dernier mot, et la réponse était bien sûr, le champi glagla bien sûr. Incroyable. Oh là là là. C'était vraiment une question piège. Bien, attention, la dernière question. Donc là nous jouons pour la dernière question, c'est-à-dire que si on répond bien à cette question, on peut passer dans le désert Gerudo. Dans quel endroit situé dans les canyons Gerudo, les températures ne varient-elles pas, qu'il fasse jour ou nuit ? Une grotte à l'ombre près des ruines où je laisse tomber. Normalement dans les canyons, dans le canyon Gerudo, les températures ne varient-elles pas ? Qu'il fasse jour ou nuit, je dirais la réponse A, dans une grotte. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. La réponse pour ce désert Gerudo, pour cette épreuve qui constitue une épreuve en soi, c'était bien sûr ça. Tu as réussi. Tu m'as l'air d'être un véritable expert. Tu devrais très bien t'en sortir. Incroyable. On a réussi. On a répondu à toutes les bonnes questions. Incroyable. Alors là, franchement, nous sommes extraordinairement extraordinaires. Nous sommes extraordinairement extraordinaires. Tu devrais très bien t'en sortir. Tant que j'y suis, tiens, prends ça. Et merci. Oh, bien cuisiner, cet aliment te tiendra chaud un moment, même de nuit. Tu peux y aller, mais
Sois prudent. Et comme il fait glacé. Et pas glacé non plus, au point de se peler les miches. Oh, il y a un Jean-Jacques Gourdin. Je rappelle qu'on a, survécu à la zone Piaf. Zone Piaf qui est réputée pour être glacée. Il faut faire gaffe là, les lézards là. Les hommes lézards ils font mal. Donc si on peut les éviter, on les évite. Pouette. Alors le petit piment, ça va, c'est 1h du mat. Parce que là, dès que la chaleur va arriver, là ça va être autre chose. Oh, il y a un gros goût. Bonjour, mon ami, on s'en fout. Bas les couilles, frère. J'ai entendu un boum boum, là, je sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas quel est ce boum boum, je ne sais pas ce qui se passe. Et comme on n'a pas de stuff correct, on va faire gaffe. Alors on va essayer de suivre le maximum le chemin. On va parcourir le chemin. Nanana. Ah, c'était ça? Oh, c'est un caillou qui est tombé. Oh, let's go, le caillou qui tombe, let's go. Il y a plein de cailloux qui arrêtent pas de tomber. Et du coup, c'est bien, c'est que ça nous amène sur la tour là-bas. Alors, au niveau de la température, ça c'est gérable. C'est du sirop gérable, ça va. Quel paysage sublime! Ça va, toi t'as une tête qui me plaît bien, une rencontre qui t'a attendu dans un cadre aussi romantique. Moi j'en fais trouver le void de ma vie, probablement pas. Je vois bien dans tes yeux que tu n'es pas venu ici pour trouver l'amour, dommage. Mais je perds pas espoir dans un lieu sublime comme celui-ci. J'ai toutes les chances de trouver l'âme sœur. Mais peut-être qu'il y a Rémix, hein. Peut-être que Rémix est un cœur à prendre. Hein. Les cerisiers en fleurs, on raconte beaucoup de choses à leur sujet. On dit même qu'ils attirent une créature mystérieuse qui s'appelait Satori. Personnellement, je ne l'ai jamais vue, je serais curieuse de savoir à quoi elle ressemble. Il paraît que Satori aime beaucoup les fruits. J'aurais peut-être dû en apporter. Satori Iwata. Un cul à prendre, oui. Un cœur, non. Oh, c'est un cul à prendre. Allez, let's go. Abordez bien. Il est venu voir la tour de reconnaissance. Elle est en panne. Si je suis là, c'est justement pour la réparer. Et pas de bol, le monde change, ne marche plus. Pas y monter. Oh. Tu vois cette pièce de métal, bah, à l'origine, la plateforme est accrochée de ce côté-là et ça faisait contrepoids, mais maintenant qu'elle est plus là, bah, forcément ça marche plus. Oh. Bah, c'est pas d'ici que je pourrais pas un tour de reconnaissance, j'aurais pas un autre moyen de monter là-haut. Bah si, en fait, il y aurait un moyen. Est-ce que je peux... Emprise. Voilà, bah let's go, je peux prendre les cailloux là. Ah, le caillou il veut pas passer.
Attention parce que là... Je peux pas l'attraper ça ? Ah mais je peux pas le mettre en haut. Mais c'est de la merde ! Mais c'est de la merdasse ! Et nu nu nu, il faut que je la répare, nu nu nu. Du canyon Gerudo ou Gerudo, je sais pas. Mais voilà, mais je peux pas l'attraper. Oh, mais c'est dangereux. Ah ben voilà. Ah mais il faut en coller plusieurs. Ah ben on va en coller plusieurs. Ah, il suffit de demander. Voilà, et hop, là, on fait ça. Ouais. Je monte, bah t'es là. Toi qui as réussi à faire mon fonctionner, mon charge, tu m'épates, monsieur. Je mets tout de suite au boulot pour réparer un tour de reconnaissance. Let's go. Voilà, merci. Ah, ah je vois. Gna 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 gna, résistante à la chaleur. Et voilà, ça remarche. Incroyable. Ah. Et prends ça, des champis vapeur glagla. Merci. Ah. Oh. Gna gna gna. Hop, on examine comme ça. On a la tour. Et on débloque le désert Gerudo. Oui, 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 oui. Voilà. Impeccable. Voilà, comme ça, du coup, on a à proximité du second temple. Carte de la surface mise à jour. Carte du ciel mise à jour. Voilà, impeccable. Donc il faut qu'on aille... alors là on est dans le ciel, il faut qu'on aille là-bas.
T'as changé le désert, Guéroudon. Ouais, c'est plus le désert Guéroudon qu'on avait connu, hein. Au niveau de la chaleur, ça donne quoi? Ça va à peu près. Ouais, alors la ville, elle est là-bas. Hein. La ville, elle est là-bas. Là, c'est le... C'est l'espèce de relais, là. Enfin, le relais, l'oasis, pardon. Alors, on y va, une petite rafale, là. Ah, j'aurais bien aimé une deuxième rafale là. Mais non, la chaleur est supportable. Voilà le bazar à sec. Pas baisser la garde. Qu'est-ce que je m'ennuie? Trop chaud, oui, j'ai trop chaud. Mais j'ai pas d'argent. Ma sac, je vends des vêtements à la mode. Tout devenu la cité Gerudo. Pas des sablons, tu vois, étaient avant ça presque impossible à obtenir pour un voy. Les vêtements que je propose sont bien sûr d'excellente qualité, mais en plus ils aident à supporter la chaleur. Achète-moi un truc. Hein. Je vais pas m'acheter un truc là, quelque chose qui rapporte de l'argent. Alors, les Gemnox, non, je veux les garder. Je vais garder les Gemnox. Corne de chef. Ça. Je vends tout. Oh, le rubis. Et de fou. Ah ouais. Comme ça, on prend la tenue du désert. Qu'est-ce qui coûte cher là, à vendre? Qu'est-ce qui se vendrait bien? Trop de beaux coblines. Quoi, 56 rubis, let's go. Tu as vraiment des articles intéressants, mais oui, mais toi aussi. Ah. À part du sablon. Oh, mais j'ai pas assez, putain. Faut 200 rubis. Ah, ça me fait chier les Gemnox, tant pis, je vends tout. Là, je vais essayer d'avoir les 400 là, les 400 rubis. Je vends tout. Voilà, ensuite on va vendre encore un truc histoire de bien se mettre là. Voilà, les pommes. Pommes de pin, 48, let's go. Voilà. Notre coloris. Gna gna gna, c'est devenu un endroit branché. Gna gna gna. Non, je veux pas que tu m'achètes un truc. Non. Oui, je le veux. Vasak. Ah. Oui, je veux l'acheter. 450 000, let's go. Alors, le secret. Ok, oh, j'ai oublié de dire. Les voies, ils sont interdits. Connasse. Bah, je vais mettre les villes spartiates. Là.
Voilà, et tac, voilà, on va faire ça. Là, du coup, là, je réduis. Je réduis ma. Je réduis ma jauge de chaleur. Alors, c'est interdit au voy, il y a besoin de protection, non. Ou si tu es bloqué, j'ai fait une pause là, un massage. Oui, on connaît les massages. Blablabla, les massages, ça fait tellement de bien ma peau, brume de sable. Dis, excuse-moi, allô? Bon, plutôt qu'à jouer à l'épicerie, ouais, non mais... Je suis inquiète. Des racailles. Des caïra? Non, des carailles. Oh, des pirates, ok. Donc il y a une brume des sables. D'accord, donc automatiquement bien sûr qu'on ne peut pas accéder au village. C'est tout à fait normal puisque nous sommes un voy. Oh, un puits. D'accord. Bazar à sec. Ah bonjour. Oh let's go. Nouveau. Source de l'oasis. Alors, une bombe. Une bombe. Tac, on va prendre. On va poser ça là comme ça. Pose ça là comme ça. Non. C'est ça que je veux, voilà. Pardon. Quoi? Non. Voilà. Oh, c'est casse-couille hein, quand ça fait ça. Ouais, d'accord. Bon. Voilà. Quand ça ne veut rien savoir, ça ne veut rien savoir. Hein. Truffe max, let's go. On a plein de passages, il faut que je prenne, ouais, il faut que je prenne une super bombe, voilà. Et casse-toi, toi. Aïe. Vite. Ça casse pas. Oh mais putain. Mais pourquoi ça se casse pas? Mais c'est de la merde. Après j'ai plus de bombes, comment on fait? Déjà qu'il faut amalgamer là. Oh là là. C'est honteux ça. C'est pas de la charcuterie ça, c'est de la merde. C'est de la merde, mais oui, c'est de la merde. Compartiment des armes est plein, et ta sœur. Ta sœur qui est plein, oui. Hop là, il faut rocher.
Ah, et là, normalement, je vais pouvoir casser le morceau. Voilà, de l'ambre brute. L'ambre brute. Et là, attention, il va y avoir un truc. Ah non. Je pensais qu'il fallait faire une infiltration, mais pas du tout. Ah. Je peux m'infiltrer, je sais pas où je vais atterrir, mais... D'accord, donc j'ai perdu la carte. Ah, la chaleur est insupportable. Vite ! Un plat anti-chaleur. Alors on va prendre un petit peu de hauteur là. Voilà, là, hop. Infiltration. Voilà, et ça nous permet de voir où on est. Oh, incroyable. Par déduction, c'est là-bas. Oh, la crevasse du désert, là, j'étais pas prêt. Oh la vache, j'étais tellement pas prêt pour la crevasse du désert là. Oh, des melons glagla. Let's go. Là, des ennemis là, ça m'inspire rien. Ça ne m'inspire absolument pas. C'est Gerudo, nous y sommes. Est-ce qu'il en reste quoi? M'entends Roselia? Oh. Ici toi bien ici. Oh. Quoi, un Void, tu es venu te mettre à l'abri de la boum de sable? Derrière cette porte se trouve notre cité souterraine. Je suis désolé, mais aucun Void n'y a admis. Oh. Dieu homme, la tradition est formelle, les Gerudo ne sont pas censés avoir de contact avec les Void avant d'avoir atteint un certain âge. Oh. Oh. Ah. Ouais, c'est un Void. Ah. Nous sommes en état d'urgence, oh. Alors, tant que tu tiens éloigné de notre cité souterraine, je ferme les yeux sur ta présence. D'accord, d'accord. La cité était tellement classe, bon elle est toujours hein, mais... Oh la vache! Mais où est la reine? La reine des Gerudo! Oh là là! C'est en ruine!
On n'est que ruine. Ah, il va falloir qu'on rétablisse. Alors, bizarrement, il y a tempête de neige chez les Piaf, tempête de sable chez les Guéroudons. Bah, ça sent un peu le vieux pâté tout ça. Hein. Comme une histoire de vieux pâté. Hein. On n'a pas un petit sanctuaire là, histoire de dire lol MDR, j'ai un TP. À ce moment-là, mon seul TP, mon seul point de téléportation, c'est la tour. Expansion secrète! Yiii, un boy! J'aurais jamais dû venir me balader ici, il faut vite que j'entre à la cité souterraine. Ah, mais là, regarde, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est? Toi, oui, toi, ça y est, je t'ai trouvé. Toi qui c'était? Tu es mon voile charmant, celui que Destin m'a mis sur la route. Et qui suis moi? Ta voile charmante, bien sûr, est très charmante. Dépêche-toi, viens me sauver de ce monde dont je suis prisonnière. Je vais t'écrire encore et encore, comme ça tu me trouveras plus vite. Ne t'inquiète pas, on va bientôt se rencontrer, c'est notre destin, Cajoua. Ah non, hein. Quoi? Elle m'a encore écrit. Incroyable. Mais je veux prendre la bouteille. Encore une bouteille. Encore une. On dirait Remix dans le chat. Encore. Mais elle a encore envoyé la même. Ça sent un petit peu le scam tout ça. Comme je suis un escroc. Tac. Je vais me faire arrêter. Mais je vais grave me faire arrêter. Non. Envoyez, arrêtez-le. Oh la merde, je me fais arrêter, putain. La cité est interdite au boy, m'attends ici tout de suite. Oh. Attends. Bétera. Ça faisait longtemps, chevalier Hyrule. Tout va bien. Ce boy, il doit entrer dans la cité par autorisation spéciale de notre chef. Il peut aussi se servir de toutes les installations. Informez-en tout le monde, oh. Voilà. J'imagine que si tu es venu jusqu'ici en bravant la brume de sable, c'est ce qui s'est passé, quelque chose de grave. Mm-hmm. Que dis-tu? La princesse d'Hyrule a disparu. Vous avez rapporté l'incident du château, mais la situation est bien pire que j'imaginais. Et ça ne diminue en rien l'exploit que tu viens d'accomplir en traversant la brume de sable, Link. Mm-hmm. Cette brume de sable s'est levée brusquement il y a quelques temps. Nous avons tenté d'envoyer une équipe pour en déterminer la cause, mais elle a été décimée par les gibdos. Ils sont partout depuis que la brume est arrivée, même au sein de la cité Gerudo. C'est pour ça que nous avons dû migrer ici. C'est ma mission de protéger la cité. Tu savais comme j'ai honte. J'aimerais t'aider à retrouver la princesse, mais... notre situation actuelle ne permet malheureusement pas, je regrette. Mmh. Rijou n'est pas ici, elle s'entraîne de son mieux pour pouvoir nous tirer de cette situation. Si tu cherches Rijou, tu la trouveras au côté des ruines du Nord. Chat. C'est un voy. Oh là là, parce que si un soldat t'aurait arrêté depuis longtemps, alors tu peux me dire ce que tu as de si spécial. Je suis le héros. Dis donc, Tiklama, j'espère que tu ne parles pas ce voy. Souviens-toi ce que tu as appris avec Madame Azal. Une jeune vaille qui parle au voy attire sur elle la mauvaise fortune. Non, non, je veux pas le voir, et en plus elle se moque de moi. Dis donc le voy, tu as entendu ce que je disais? Non, il y a des règles à suivre dans cette cité. Tu peux aller venir comme bon te semble, mais tu es pris de respecter ces règles.
Pardon. Pardonnez-moi. Je ne suis qu'un voy. Et ça continue. Moi, ce que j'aimerais, c'est trouver un point de TP en fait. Ah bon, alors là. Ouais, dès que je vois de la moula. C'est les bails, hein, la moula foile, ça. Bon, bah nickel, on a atteint la cité Gerudo. On va passer par là. La gardienne de Madame Patricia, gna 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 gna. Bon, dis-moi, super, je pense, j'aimerais les ruines du Nord. Les ruines du Nord. Ah, pardon, c'est toi, oui, c'est là-bas que la chef est partie s'entraîner. Mais ça grouille de monstres bizarres, alors je me fais du souci. Donc il est hors de question que je m'aventure cette boule de sable. Madame Patricia, oui, c'est le morse des sables. Nya 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 nya. C'est pas du son de mon bretange. Blablabla, bla, bla, elle est avec la chef. Blablabla, blablabla, blablabla. Bla, bla. Mais oui, du coup, grâce à... Mais oui, moi, en autant que voy, je peux y aller. Je peux y aller, c'est ce que je ferai, d'ailleurs. Je ferai la prochaine fois. Voilà, du coup, c'est bon, nickel, on a la cité Gerudo. Par contre, ce qui me fait chier, c'est que j'ai pas le point de TP. Ça, ça me fait un petit peu chier. On vise la cible. Ici, j'ai fait tirer un coup de canon. Je pensais qu'on pouvait tirer un coup de canon, mais non, même pas. Décevant. Encore 4, encore 4 quoi. Ça va. Ça va. Oh, t'as le void dont tout le monde parle. Non, 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 je suis archéologue. D'accord. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Tout d'abord, l'inscription se plie à gauche. Les 7 héroïnes protectrices, 6 monuments, garde le secret, voir ce que j'ai déchiffré. Maintenant, c'est du plié de droite. Les 7 héroïnes protectrices, l'âme noble qui réunit les pouvoirs, incarne l'héroïsme véritable. Il y a une, tu ne t'en doutes pas, mais nous autres Gerudo, c'est les bons, les héroïnes des temps immémoriaux. Ils ont autrefois protégé et guidé le peuple Gerudo. Cependant, j'ai trouvé que très peu d'informations à leur sujet. Alors, les mystères qui les entourent sont nombreux. Certains d'entre nous vouent un culte aux 7 héroïnes. D'autres à l'une ou l'autre en particulier. Nya 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 nya. Mais oui, il y avait une histoire de 8 héroïnes. Dans Breath of the Wild. Blablabla. Malheureusement, j'ai trouvé que ces piliers. Il y a quand même le gros délire quand même de sous-sol. Hein. On parle quand même de beaucoup de. Beaucoup de délire avec le sous-sol. Hey. Pourquoi elle est enfermée? D'accord, si j'enfreine les règles, je finis dans la même cellule que lui. Aïe aïe aïe. Venez vous faire masser. Ah bah attendez, alors on va prendre une seconde. Ça. Qu'est-ce que... Hop là, comme ça on peut lui parler. Comment ça je peux pas lui parler? Voilà.
Tac, on va pivoter. Voilà, ça, pouac, on colle. Ah merde. Aïe aïe aïe. Ah, c'est, je peux lui parler? Oui. Oui, let's go. Eh mais tu es un homme. On sait que les gourdos sont intransigeants. Intransigeants, pardon. Ah gna gna gna, j'ai passé que je me suis voilà, sans procès verbal, sans sommation en plus, direct en cellule. Ma femme Radima et ma fille Elarka. Oh là là, une boutique de vêtements, mais ça propre et tout. Bah, suffit sûrement pour te dire. Radima et Elarka. Bon, bah voilà. Écoute, on va s'arrêter là. Ok, on va sauvegarder. Sauvegardons. Oh, on a bien avancé. Mine de rien, ça va, c'est cool. Là, on est... On est chez les Gerudo, c'est parfait, c'est impeccable. Dans la joueuse et la belle humeur. Impeccable. Impeccable de chez Impeccable. Et paf, alors vers qui je peux vous envoyer du coup, qui est en live ce soir? On a qui en live? Du coup, c'était un petit live en bas, en fait, comme tous les mardis d'ailleurs. C'est toujours des petits lives. Ah, le Dante, have a nice death. On a Ceci qui est sur Plague Tale, Requiem. On a Petite balade dans le labyrinthe de chez Doc Elec. Thème attaque du rage, je suis unicorne, go. Go les 200. Go les 200 followers. Parce que je pense pas que je vais avoir le temps d'ouvrir la même porte. Pas, c'est même pas une licorne. Oh, le scam. Ce combat, on va aller raid Dante. Voilà, rien pour la peine. Have a nice death. C'est quoi ce have a nice death? Si c'est pour la santé, prends des vraies lunettes. Hein. Prends pas des lunettes de cyclope. Ouais, on peut aller raid le pape. Allez, on va aller raid le pape. Allez, let's go. Let's go chez le pape, chez sa sainteté. Nous, on se retrouve bah, demain. Il n'y aura pas de live. On se retrouve jeudi, 19h30, pour Assassin's Creed Unity. Et vendredi, sur Halo The Master Chief Collection. Allez, let's go chez sa sainteté. Le pape Dante. Let's go, c'était Fouals. Des bisous. Non pas demain, mais à jeudi. Si vous le voulez bien, des bisous, ciao ciao.